Une gerbe de braise rouge et or éclate et s'élève d'un coup. Vous, qui dites-vous que je suis ? C'est alors que j'ai dû faire taire Pierre. Avec toute la conviction dont il est capable, il s'était exclamé : Tu es le Messie ! J'étais en train de m'asseoir, je me suis redressé. J'ai fixé mes amis les uns après les autres et, aussi fermement qu'à lui, je leur ai asséné en haussant le ton : Je vous interdis de le dire. Puis je me suis assis. Quand comprendront-ils que je n'ai pas fini le travail que le Père m'a demandé ? Que ce qui compte avant tout, c'est le message que je dois délivrer, qu'ils vont devoir porter, que ce qui importe, ce n'est pas qui je suis. Si je les laisse dire, la manière dont m'a interrogé plus tard un docteur de la loi devait me le confirmer, et que ce genre de propos parvienne aux oreilles de Pilate, ce dernier ne tarderait pas à me faire arrêter. Et alors effectivement, qu'adviendrait-il du message de paix ? Je n'aurais pas eu le temps de finir de le proclamer. Quand nous sommes repartis vers la grange pour nous coucher, j'ai pris Pierre à part et saisi son bras, l'ai forcé à me regarder malgré la nuit, et lui ai redit fermement : « Pierre, tu as bien entendu ce que tu as dit tout à l'heure, je t'interdis de le répéter. » Cet après-midi, à peu près tout le village était venu. Les hommes, les femmes, les enfants. Après les avoir bénis, ces derniers étaient presque aussitôt repartis jouer. Ce qui, de temps en temps, quand leur rire se faisait trop bruyant, leur valait des « chut » de la part des adultes près desquels ils passaient en courant. Quand il s'est fait tard et que tous ont commencé à se disperser pour rentrer chez eux, est survenue la demeurée du village. Ça ne se voyait pas trop. Elle était belle. Elle s'est arrêtée en retrait. Je lui ai fait signe d'approcher. Comme elle n'osait pas, je suis allé vers elle. Curieux de ce que j'allais faire, ceux qui s'en allaient s'arrêtaient et revenaient. Mes disciples m'avaient suivi. Quelle vie pouvait-elle bien avoir ? Mon cœur saignait à la voir ainsi égarée, absente, résignée. Je savais que certains se demandaient si elle ne réparait pas aujourd'hui des horreurs qu'elle aurait pu commettre dans une vie antérieure, ainsi qu'il est pratique de l'imaginer quand on ne veut pas regarder la vie en face. À moins qu'elle ne se soit retrouvée dans cet état parce que ses parents avaient péché, supputaient d'autres, par charité. Comment leur faire comprendre que la raison importait peu ? Maintenant que j'étais devant elle, je l'entendais me dire, les yeux baissés, sans prononcer un mot, qu'elle était désolée d'avoir raté mon prêche, qu'elle n'avait pu faire plus vite. Elle venait de l'autre bout du village. Alors j'ai compris qu'il m'était demandé autre chose que de me reposer ce soir-là. J'ai pris sa main et lui ai dit « Regarde-moi ». Bien qu'étonnée de cette familiarité, elle s'est laissée faire. J'ai demandé « Veux-tu être guérie ?» Son regard s'est allumé d'un espoir qu'elle n'aurait jamais osé formuler. Pour m'isoler, j'ai fermé les yeux. Je m'interrogeais « Père, qu'en penses-tu ? » Quand j'ai rouvert les yeux, il m'avait exaucé. J'ai dit « Maintenant, vis !» Comme je m'abîmais à remercier Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir, un chahut invraisemblable s'est alors fait autour de moi. Les gens s'étaient mis à chanter, à danser. C'était à qui manifesterait sa joie devant ce qui venait de se passer. Oui, c'est vraiment lui le prophète. C'est Jean-Baptiste ressuscité. C'est le Fils de Dieu. C'est Moïse. C'est Élie. Ce n'est pas un homme. Et j'entendais répéter « C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. » Soudain, un ordre a couvert la joie, imposant silence à la foule. « Taisez-vous !» Celui qui l'avait lancé a répété en criant « Vous avez compris ? Taisez-vous !» Aussi grand que moi, il dépassait la foule d'une tête, il s'est violemment frayé un passage entre ceux qui m'entouraient. Je l'avais déjà vu à Jérusalem. C'était un docteur de la loi. Quand il a été devant moi, son nez presque a touché le mien, comme s'il voulait me faire reculer, il m'a jeté, outré. « Comment ? Tu laisses dire de toi que tu es fils de Dieu ?» Est alors venue une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. « Et toi, te rappelles-tu ce que Dieu dit de nous ?» Étonné que je justifie ce qui me donnait ce titre scandaleux, que n'ose s'attribuer impunément que Pharaon et l'empereur des Romains,
j'ai poursuivi. Tu n'as donc jamais entendu ce que Dieu lui-même met dans la bouche du psalmiste ? Se demandant à quel psaume je me référais, il est resté la bouche ouverte. Alors, pour que tous ceux qui nous entouraient entendent bien, j'ai cité en élevant la voix. « Moi, Dieu, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, tous !» Et j'ai ajouté, « Puisque nous faisons tous partie de la famille de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu. » Contraint de se taire, il m'a regardé, furieux. Puis il est reparti sans faire de commentaire. Et la fête a continué jusqu'à ce que chacun rentre chez soi. Celle que j'avais guérie a été l'une des dernières à partir. Elle ne voulait plus s'en aller.